Bonjour, c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi sur la contraception naturelle. Aujourd'hui, j'aborde avec vous la question de qu'est-ce qui est normal en symptothermie et est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'il y a un cycle normal et puis des cycles qui seraient anormaux ou totalement irréguliers parce qu'on observe des variations de température, des choses bizarres au niveau de la glaire cervicale ou ce genre de choses. Voilà, donc j'avais envie de vous faire cette petite vidéo surtout pour vous rassurer et vous expliquer si jamais c'est le début pour vous, le début de vos observations, eh bien vous rassurer sur le fait que c'est tout à fait normal que d'un cycle à l'autre, vous observiez beaucoup d'évolution et de diversité en fait dans vos observations d'un cycle à l'autre. C'est tout à fait normal qu'au cours de notre vie, eh ben voilà, nos cycles d'un cycle à l'autre ne se ressemblent pas forcément. Et puis c'est tout à fait normal aussi que d'une femme à l'autre, eh bien on ait des variations. Et ça s'observe très clairement et très nettement sur un cyclogramme. C'est vrai que quand on note, finalement, quand on voit juste le truc de l'extérieur, qu'on voit quand arrivent nos règles ou qu'on sent un petit peu la période de l'ovulation, mais qu'on n'observe pas ça précisément, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais c'est vrai que sur un cyclogramme, eh bien, ça peut faire bizarre de voir que y a vraiment des choses étonnantes par rapport à ce que vous avez pu découvrir dans les ressources en ligne ou ce que vous avez pu voir dans mes vidéos. C'est vrai que, voilà, j'ai envie de dire, il y a un peu la théorie en symptothermie et puis il y a la pratique et ça peut être assez déstabilisant au départ de se rendre compte que dans la pratique, il y a des fois où ça ressemble pas du tout à ce qu'on avait cru comprendre au niveau de la théorie. Typiquement, si votre montée de température arrive bien avant votre jour sommet par exemple, ou alors au contraire qu'elle arrive bien après, ou peut-être ça vous arrive aussi d'observer de la glaire cervicale à des moments où vous n'êtes pas du tout censé être dans votre fenêtre fertile, et du coup là encore ça peut vous paraître bizarre ou faire vous poser des questions et vous inquiéter un petit peu sur ce qui se passe. Voilà, donc sachez que la plupart du temps, c'est tout à fait normal, enfin ça fait juste partie des infinies possibilités que peut prendre notre cycle pour se montrer, pour se réaliser. Donc ça fait partie de la vie, ça fait partie de ce qui est faisable et imaginable. Mais maintenant, toute la question, c'est d'arriver à savoir comment est-ce que, avec des observations comme ça qui vous semblent assez difficiles à interpréter au départ, eh bien comment vous pouvez quand même avoir une interprétation et une analyse qui est fiable par rapport à votre cycle en cours. Donc par rapport à ça, moi je dirais le point le plus important, c'est un point dont j'ai déjà parlé en fait dans une vidéo précédente, la vidéo où je parlais de observer avant de protéger et où je vous expliquais qu'en fait en symptothermie, on considère qu'il y a quand même d'abord 6 mois d'observation de nos cycles en prenant la température, en observant la glaire cervicale avant d'utiliser la méthode réellement en tant que contraception. Et ces 6 mois d'observation ne viennent vraiment pas par hasard et ne viennent vraiment pas juste pour nous embêter. Ils sont vraiment là pour nous faire voir déjà un peu le panel de toute la diversité que peut prendre notre cycle d'une fois sur l'autre et voir à quel point il peut y avoir des énormes variations, des énormes évolutions et voir qu'on arrive quand même toujours toujours a posteriori à quand même analyser, interpréter ces résultats. Voilà. Sauf que, on peut avoir besoin d'aide ou d'un accompagnement pour comprendre ce qui se passe vraiment, ou alors justement c'est seulement après coup qu'on comprend, ah oui d'accord, probablement que ça s'est passé comme ça finalement, mais quand on est dedans, ça paraît étrange ou ça paraît pas habituel, pas normal, alors qu'en fait c'est juste une façon de plus qu'a notre cycle menstruel de s'exprimer. Voilà, donc c'était vraiment une petite vidéo pour vous,
vous rassurer et à la fois vous faire prendre conscience que nous sommes faites de diversité, nous sommes faites de situations très très différentes, de cycles qui peuvent vraiment s'exprimer de manière très différente. Et du coup, c'est vraiment important d'avoir d'abord cette première phase d'observation avant de partir directement dans l'aspect contraception qui demande quand même une certaine pratique et une certaine finalement connaissance et même une compréhension de nous, de notre fonctionnement. Voilà. Demain, je vous parle des facteurs qui peuvent influencer nos prises de température et les valeurs en fait de notre température tout au long de notre prise de température, donc au cours de la phase fertile. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ce contenu vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de la suite de l'aventure et on se retrouve demain.